Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy278, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes chaud patate. On se retrouve aujourd'hui pour le match entre la France et la Croatie, l'avant-dernière journée du championnat. La saison a été très longue. Qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Donc oui, on va essayer de l'atteindre la barre des 100 points. Et peut-être que là on aura définitivement savoir si le Danemark, oui, en cas de défaite, le Danemark sera aucunement sauvé. On verra ça aussi. Si aussi les deux derniers, je sais plus, c'est Suisse et Chili, peuvent remonter encore, on verra bien. Mais avant tout, les hymnes nationaux. Allez. Donc voilà l'équipe pour ce match. Ils sont chauds. Donc cette équipe de Croatie, on va en parler bien évidemment. Et forcément la Croatie, on peut pas en parler avant 96 parce qu'il n'y avait pas vraiment l'équipe. Je suis même pas sûr qu'il y avait l'équipe de Croatie à cette époque-là encore. Niveau international. Et pour ce qui est de la Croatie, ben forcément on peut parler que d'un grand joueur qui a joué notamment au Real Madrid. Je pense qu'il y en a, ils ont tout de suite trouvé qui c'était. Je parle notamment de Davor Šuker, qui a été l'un des grands partisans de cette épopée de 98. Oh, alors c'est dommage parce que c'est vrai que on n'aurait pas affronté la Croatie en demi-finale, franchement j'aurais kiffé une finale quand même France-Croatie en 98. Sachant que la Croatie c'était leur première Coupe du Monde. Pour la première fois ils atteignaient du coup leur première participation, première demi-finale. Il y a eu beaucoup d'équipes comme ça d'ailleurs qui ont fait ça, hein, première participation, qui ont atteint au moins les quarts de finale. Je pense notamment aussi au Sénégal, enfin plein d'équipes. En 2002 je parle. Et franchement, ouais, c'était une belle équipe. On pense notamment à Zanovic, à Dic, Bilic, il y a eu Boban, Prosinecki, il y a eu Boksic. Je sais, ça finit beaucoup par Ic, hein, c'est un peu comme les Serbes ou les Yougoslaves de l'époque, notamment Mijatovic, etc. C'est un peu comme le Brésil, hein. Beaucoup de noms qui finissent en haut à la fin. Oula, je crois que c'est planté là. Et cette équipe de Croatie, donc sinon leur toute première compétition officielle c'était l'Euro 96, où ils ont atteint un quart de finale perdu contre je ne sais plus qui, je crois que c'était l'Allemagne d'ailleurs. Si c'était l'Allemagne, voilà. Ouais, j'étais un peu bloqué. C'était l'Allemagne qu'ils avaient éliminé en quart de finale. Et la Croatie avait pris leur revanche en 98, puisque le quart de finale de Coupe du Monde les opposait face aux Allemands. Les Allemands de Klinsmann, Birov et toute la clique. Ouf.
Forcément, cette équipe d'Allemagne en 98 était un peu vieille. Je pense que Bertie Vogts a fait quelques petites erreurs en faisant sa sélection avec Köpke, tout ça. Les joueurs étaient assez vieux, hein. La moyenne d'âge était quand même 30 ans. Donc, pour pas tenir face à une équipe jeune et qui avait la fougue d'aller dans cette en demi-finale, hein, parce qu'ils avaient fait un bon parcours quand même des Croates en 98. Donc voilà, mais après la Croatie, bah pas d'Euro 2000 malheureusement, mais une Coupe du Monde 2002 complètement loupée, puisqu'ils ne passeront pas le premier tour. Et après, ben, les Croates, ça a été un peu mitigé au niveau des Coupes du Monde, des Championnats d'Europe. Malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose. Je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de premier tour passé. Et est arrivée cette équipe de... Pour moi, qui a vraiment débuté en 2016 pour l'Euro. Puis c'était une belle équipe, très combative et tout. Et je me suis dit, ouais, c'est une équipe qui est en train de revivre, quoi, en fait. Voilà. Et effectivement, elle a bien revu parce que... quand même atteint la finale de la Coupe du Monde 2018. Voilà, donc il fallait s'attendre à ce que la Croatie, avec toute leur prolongation, leur tir au but qu'ils ont dû faire, je pense que voilà, au bout d'un moment, les jambes, elles sont pleines, quoi. Parce que nous, avec l'équipe de France, on a fait quoi? On n'a pas fait une séance de tir au but, on n'a pas fait de prolongation. Donc voilà, on a vraiment joué comme il fallait, et voilà. Mais c'est vrai que cette équipe Croatie, moi, franchement, moi, je l'ai trouvé magnifique. Et le pire, c'est que elle me faisait même pas penser à celle de 98. Et franchement, je pense que celle de 98 me plaisait beaucoup plus. Et je sais pas si, pour ceux qui se rappellent d'ailleurs, tiens, une petite anecdote pour la Croatie. En 98, leur entraîneur, Blazevic, avait un espèce de porte-bonheur, on va dire. Puisque je sais pas si vous vous rappelez, en 98, il y a eu un gendarme, Jérôme Nivelle, qui avait été blessé suite à des émeutes. Et bah Blazevic avait tout simplement comme porte-bonheur le merde, comment ça s'appelle, le képi du gendarme justement blessé. Et le but, ouf, il n'y aurait pas eu but, il y avait pénalty. Griezmann 1-0. Douem m'a marqué avec Griezmann. Bah oui. Grisou Champion. Et franchement, ouais, moi je trouvais beau ce geste, donc du coup de Blazevic. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient fait ça. Mais enfin voilà, mais c'est vrai qu'après, bon. Alors, on a perdu face à nous. Bon, c'est vrai que c'était dommage parce que c'était une belle équipe quand même. C'est, comme je vous l'ai dit, cette équipe de Croatie. Bon, après, voilà, tant mieux pour nous parce que bon, on a atteint du coup notre première Coupe du Monde. Enfin, on a atteint notre première finale de Coupe du Monde. On a eu notre première Coupe du Monde également. Oh la merde! Oh putain de sa mère! Putain, Dovin, t'as 2 mètres du but. Comment tu peux te louper? Corner. Ah, j'ai les boules, Dovin, sérieux. Foiré. Je vais te péter la gueule. Ouais, c'était à prévoir. J'aurais peut-être dû la passer en arrière. C'est ma faute. Lors du dernier match, j'avais parlé d'un film sur le foot. Alors, il y en a un autre, franchement, que j'ai pas aimé. Enfin, un autre. Un que j'ai pas aimé, notamment au niveau foot. Parce qu'après, il y a les films Goal, je sais pas si, pour ceux qui se rappellent, le fameux Mexicain qui joue au Real Madrid. J'ai vraiment aimé la trilogie. Mais un film de foot que j'ai pas aimé, et c'est rare. Hein. Je pense notamment au film Shaolin Soccer. Je trouvais ça débile. J'ai rien trouvé d'intéressant dans ce film.
pas l'arrêt. Putain de sa mère. Oh, oh la frappe était belle. Ah, elle était magnifique. Ah, elle était magnifique. Ah, dommage qu'il y ait eu la barre. Ah, dommage. Ouais, j'ai les boules. Ouais, je le cache pas, j'ai les boules. J'ai envie de tout casser. On va pas avoir un petit 2-0 là. Ouais, donc du coup, ouais, alors pourquoi j'ai pas aimé Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais pourtant c'est un peu un Olivier Tom version fine, quoi. Bah, je me demande si j'aurais peut-être pas presque préféré vraiment le film Olivier Tom qu'un film qui s'appelle Shaolin Soccer. Des moines qui jouent au football, excuse-moi. Enfin voilà, j'ai trouvé ça pas top top. Et c'est vrai que ils sont en train de refaire souvent des, en ce moment des mangas de notre enfance en film. Oui, non, mais faut y aller, gros. Pas y aller pour toi. Hein. Et c'est vrai que pourquoi pas avoir un film Olivier Tom, mais vraiment pas un film pourri, un peu comme ça a été avec Philippe Lachaud, excusez-moi, parce que moi le d'accord, t'as pas passé là où j'ai demandé. Le film de Philippe Lachaud avec Nicky Larson, j'ai... Enfin... Ouais, mais je pense qu'il aurait pas fallu que ce soit un film français. Je pense que, pour moi, les Japonais étaient beaucoup plus aptes à recréer ça, sachant que c'est quand même leur univers. Donc, je dis pas que nous, en France, on fait des films pourris, mais je pense qu'il y avait mieux. Et le but, 2-0. Benzema. Je pense que pour moi, il y avait mieux. Il y avait mieux à faire. Les Japonais, ils seraient peut-être beaucoup mieux démerdés. Peut-être même pas limite un film-film, mais film-manga. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme il y a eu les OAV de Dragon Ball Z, par exemple. Ça, par exemple, ouais. Et franchement, ouais, peut-être même un film qui dure une heure et demie, ça peut être pas mal. Mais bon, après, voilà... D'ailleurs, en parlant de Dragon Ball Z, je sais pas si vous, de votre côté, vous trouvez un peu l'évolution de Dragon Ball Z un peu bizarre. Moi, je trouve qu'il y a eu peut-être un petit peu trop. Je dis pas que la série Dragon Ball Super est pourrie, mais faut arrêter peut-être au niveau des transformations. Je pense que c'est bon. Il y a peut-être un moment, faut lâcher prise, quoi. Je l'ai pas cette année, il a pas d'énergie lui ce gars. Touché quand même. Moi j'ai qu'à bomber pour hein. Ouais donc moi je trouve que les transformations c'est un peu trop. Oh joli là. Pour moi les transformations c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ah, on est arrivé à Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, après t'es arrivé en Super Saiyan 4. Maintenant t'as Super Saiyan Divin. Voilà, je pense qu'à un moment... je sais plus, ils avaient parlé aussi d'une autre transformation Super Saiyan, je sais plus laquelle. Okay. Mais... voilà, puis d'un seul coup, on part d'un Sangoku Black. Non, je pense qu'à un moment, ouais, c'est... Faut arrêter au bout d'un moment les transformations. Ok, c'est une série, franchement, qui a cartonné une époque. Mais je pense qu'avec le temps, je pense que peut-être pour moi, Dragon Ball Z, ça a perdu de sa valeur. Pour moi, vous voyez, vous me parlez de Dragon Ball Z, pour moi, je vais vous dire une chose. Le seul que j'avais adoré regarder, c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z, point. Dragon Ball GT, j'ai trouvé ça pourri. Dragon Ball Super, j'aime pas. Voilà, je le dis clairement. Voilà, ils en ont trop fait, ils en ont trop fait. Allez. Hop, j'ai pas vu. Oh, Karim, t'es fatigué. On va mettre pas la casette du coup, parce qu'il est moins fatigué que. Eh, hey, ils tiennent le choc, les copains. On regardera vers la 80e minute. Attendez. Hop, voilà.
Il est pas beau celui-là. Il est magnifique. Grisou. Oh, ce troisième but, mon gars. J'ai presque envie de pleurer tellement c'est beau. Ah là. Allez, gaucher Grisou, mais c'est pas pour rien. Ah là, là, je suis sûr qu'il a envie de pleurer, le gardien. Allez, la casette rentre à la place de Karim. L'autre derrière l'écharpe, elle est collée à la veste. C'est pas mal. Je pense que c'est vrai que... Alors, PES, ce qui manquerait, c'est un peu comme pour FIFA, par exemple. Le visage des entraîneurs, ça pourrait être parfait. Visage des entraîneurs, un peu améliorer peut-être la foule aussi. Moi j'ai toujours rêvé d'un mélange un peu entre guillemets FIFA PES, un mélange de jeux comme ça. C'est un jeu qui cartonnerait, je suis sûr. Faudrait que Konami et EA Sports essayent de faire un jeu ensemble au niveau foot. Je pense que ça ferait un truc de malade. Évidemment, il faudrait plus de stades. Par exemple, si on fait une Coupe du Monde, est-ce qu'on pourrait pas choisir, par exemple, le lieu où ça se déroule? Parce que là, c'est un peu aléatoire, quoi. Moi, désolé, jamais vu une Coupe du Monde où tu jouais en France et le lendemain, bah, t'es en Espagne, quoi. Non, voilà. Et c'est vrai que, ouais, ça pourrait être pas mal, franchement. Allez, Alex. Oh, oui, tu l'as. Oh, oui, tu l'as. Oh, oui, tu l'as. Oh, et but 4-0. J'hésitais entre le lober et l'effacer. Ben, je choisis l'effacer. 4-0, mon gars. Quatrième but des Français. Sluga. Ok. Sluga. On revoit quand même comment je l'ai effacé, ce bâtard. La vitesse de la casette sur le défenseur. Hop là. Là, à partir du moment où je l'ai effacé, c'était pas la peine. Allez. Allez, les gars. Bien joué. Allez, Grisou. Par exemple, vous voyez, dans la vraie vie, ça, l'arbitre, il viendrait voir le joueur et dirait, bon, gros, tu te dépêches, quoi, parce que le match est pas fini. Bon, je pense que 4-0 Ah, je sais pas combien de temps du terme, 4 minutes du terme, ouais, je pense que quand même. Quoi? Il a pas faute, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Foiré. Ah, oh, je repense à ce troisième but de Griezmann, mon gars. Et ça passe. C'est bon. Et oh, dommage. Dommage, dommage. On aurait pu avoir un petit 5-0 là. Ah, en plus, il s'est troué là. Ouais. Je croyais qu'il allait la relance. Putain, 5 minutes d'arrêt de jeu quand même. Ah oui. Il rigole pas l'arbitre. Pardon. Allez, c'est parti. Non, j'en ai trop fait. 4-0, allez hop. Voilà, il ne reste plus qu'un match à jouer. Oh, ce but à 80e minute de Griezmann. Oh, là, là, là. Allez, on va voir les résultats et on va voir évidemment si le Danemark se sauve ou pas et si le Chili et la Suisse est terminée.
Argentine bat la Suisse 1-0. La Suisse c'est terminé. Pologne-Colombie 0-0. Brésil bat l'Allemagne 3-1. France bat la Croatie 4-0. Donc l'Italie bat l'Angleterre 4-0. Chili bat le Portugal 3-1. Peut-être un espoir pour le Chili. Espagne bat les Pays-Bas 4-0. L'Uruguay bat le Pérou 3-0. C'est terminé pour le Danemark puisque la Suède vient de les battre. Et Mexique-Belgique. Victoire des Mexicains 1-0 au classement. Donc la France, l'Allemagne, l'Argentine, l'Italie, Brésil, l'Espagne, ça ne bouge pas. La Pologne 7e passe devant l'Angleterre qui passe à la 8e place. Portugal, Pays-Bas, Croatie, ça ne bouge pas. L'Uruguay passe devant la Belgique, donc 12e, 13e. Mexique, Colombie, Suisse. Oh, la Suisse qui remonte à la 16e place. Et je crois que j'ai dû confondre avec le Pérou, je pense. Excusez-moi pour les Suisses. Oui. Donc la Suède qui repasse devant le Danemark, mais malheureusement, les Suédois ne pourront pas revenir, le Danemark non plus du coup. Et le Chili qui a malheureusement 5 points de retard sur le Danemark sera relégable également comme le Pérou. Voilà. Donc c'est fini pour le Chili et le Pérou qui joueront en deuxième division la saison prochaine. La Suède et le Danemark se départageront bien évidemment sur le match de barrage. Je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Donc les matchs auront lieu merde. Avant le gameplay de l'été, bien évidemment. Donc voilà, donc les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, restez chaud patate. Bye bye.